Yon l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Attendez avec un pile attention là et président Aristide. Même trouver que président Aristide bien j'y cherche. Ou du moins, il perd du tête, il oublie comment faire arriver côté de l'arrivée aujourd'hui. Président Aristide, mais c'est vous-même qui croise le pays. C'est vous-même qui l'avez payé à notre trou que l'arrivée aujourd'hui. Bon, on rappelle peut-être au cablier, président Aristide. C'est vous-même pour entrer dans le pays à l'on perdu pouvoir, malgré tout l'argent pays, tu es dans le monde, tu es capable d'organiser une résistance normale. Puisque vous avez un pile mon avant. C'est au premier moment de mettre un embargo criminel sur le pays. Pour punir tout le haïtien dans le pays. C'est vous-même encore qui m'a des blancs pour entrer dans le pays avec 24 000 marines blancs américains. Ou venir nous battre au pays. Ou humilier l'armée d'Haïti. Qui peut-être a une partie totale. Mais comme chef l'État, ou pas de aucune autorité pour écraser une institution, non? Non, faire ou craser. Je dis à si nous avons un problème de sécurité, ça, que nous avons là. Ou coupable. C'est ou craser l'institution l'État. C'est ou même avec René Préval, qui fait ajustement structurel, ni de la tour, ni généralement, fille, pas de Jean-Pierre. C'est oui qui vend Enaol, Cimentry d'Haïti, Téléco, Minoterie d'Haïti, président Aristide. Économiquement crasé, tout ça qui est capable d'aider le pays. C'est vous-même qui baille ticlic bourgeois. Tout pouvoir que vous gagnez, tout l'argent que vous gagnez. Le sang qui n'a pas de goût, tout prêt, tout garanti, tout avantage. Pour gagner contrôle du pays. C'est oui. Qui ouvre tout droit, tout bagaille, écrasé production nationale. Qui va payer à genoux à demander. C'est vous-même, président Aristide. Et c'est vous-même qui premier chef gang dans le pays. Le ou accepté armé en paquet de jeunes garçons, jeunes filles. Dans le quartier populaire, pour te former l'armée rouge. Mais président Aristide, c'est où vient le phénomène ça? C'est où même qui fait assassiner Marie-Christine Jeune? Parce que le pape est un bandit l'armée. Assassiner, nous violer. Président Aristide, il ne faut pas oublier. Des ordres vous faites avec l'argent coopératif. Il ne faut pas oublier que c'est vous même qui vient avec. Question élection, on prend 100% dans l'élection. Magou Richard pour elle fait en mai 2000. Le président Aristide, faut pas oublier, si pays en Italie là, c'est au crasé le conservateur, c'est au crasé toute institution, c'est au mettre la genou, c'est au vendre pays à bail blanc pour te capable retourner sous pouvoir. Deux fois blanc rentré dans le pays à dernièrement ça, c'est au même qui invité, oui, ni en 1994. Ni en 2004, parce que vous avez ces garçons qui te défendent le pouvoir là, en face à l'équipe. Hein? Parce que l'équipe n'a pas de tolérer des autres, ça va faire dans le pays. Le président Aristide, soit dit là. Donc il faut prendre tout. Koto Kampé ou Chita a fait déclaration ça. Dans l'université, côté tabac là, ou bien c'est sous 100 président et un paysan, l'université ça a fait. C'est sous 100 paysans, oui, que sous l'ordre, agents ont tué paysans pour nous prendre tel. Donc, président Aristide, c'est une base qui fait aujourd'hui à la pays à tomber dans sa lia. Donc, on n'a aucune qualité morale pour juger. Jean-Président l'a bien dit, tout jouet se jouet, mais par séquence, son prétention en tête par la donne. C'est mal, mais deux mondes préjugés pas contre. Ça contre, c'est une bonne à tout paquet. Nous ne
paquet à une foule. Une foule à une pile victime préjugée. Oui, préjugé a fait trop de monde, trop de tête couleur peau, c'est beauté pas, cheveux pas, c'est beauté pas, c'est pas, et puis, mon père. Monde qui règne, c'est monde sans conscience, qui prend monde sans conscience, pour piller monde à conscience. Monde qui règne, c'est professionnel, qui tourne criminel, n'en pas menti si au miel, qui en met un coup fiel. L'euphorie de l'amour peut affecter positivement ou négativement votre vie professionnelle. Notre fameux Toto Ancelin, nous fait Jacob Yvette. Toto à l'université, mais pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusait écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer la mesdames. Mais, Toto n'a pas jamais joué une réponse. A fait l'être sa vie, mais là, il est net. Toto a le bon canet, il n'est pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro, ça y est là-dedans? Ou pas gêné? Toto répond. Non, papa. Je ne t'attends qu'à gêner, parce que ce n'est pas moi-même qui ai pris tout zéro, ça y est dans le canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chatte ça y est? Il peut nous répéter. Wow, Toto cramponné, lui vit reposé là, elle dit, tête chatte ça, tellement bon net moyen, net chatte là, manger chatte là, même mon fou saisi. ...90% des fibres du nerf optique véhiculent les informations inconscientes. Qui donc? Ouais, c'est you. Ouais, toutes sont ouais à ces deux. Ouais, c'est you. Ouais, toutes sont ouais à ces deux. Si je t'attends, n'a pas tourné ou attendre. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concerne tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si tout ces nouvelles, Jean-Jacques Dessalines, avec ancêtres Nouyo, pas de gain conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours marré dans pied nous, la journée ou la nuit. Les chaînes de l'esclavage moderne marées dans le cerveau monde, faut que bonne éducation et bon gens sérum patriotique pour réveiller la conscience sociale là avant trop tard. Les sœurs et frères affectés par ces pathologies sociales se bercent d'illusions de liberté. Plus le cerveau est psychologiquement enchaîné, plus on s'incline aux pieds de ses oppresseurs en rejetant la main de ses libérateurs. On l'a bien vu en 2004. Le néocolonialisme et ses agents pathogènes ont toujours cultivé l'art d'anesthésier la conscience des esclaves mentaux. Une pratique qui peut durer longtemps, car chez les délinquants, autoproclamés bandits légaux, chez les assassins, les kidnappeurs et psychopathes, le risque de récidive criminelle se situe aux antipodes de la conscience sociale. En mesurant l'activité cérébrale de certains criminels,
les scientifiques ont observé que plus la probabilité de récidive est élevée, moins leur cortex singulaire antérieur est actif. Chers récipiendaires, il y a de cela 2 millions d'années, vous n'auriez pas pu écrire conscience sociale, parce qu'en ce temps-là, il n'existait que le langage oral. Si nous avons vécu dans la période ça, nous avons qu'à peine conscience sociale là sous tableau imagination. Imaginez un moment en Haïti qui n'a une ambulance. L'ambulance là obligé de camper dans le fou conscience. À gauche, c'est route changement qui menait l'hôpital. À droite, c'est route continuité qui menait cimetière. Mettre cimetière toujours habillé tout de blanc. Bah au cimetière même toujours habillé en rose. Question. Qui route pour ambulance la choisi? Route continuité qui mène dans la mort ou route changement qui doit bannir la vie? Route changement. Oui, c'est lui qui est bon choix. Lorsque route changement, va passer matissant à l'aise. Lorsque route changement, va aussi jouer un travail parce que nous pouvons manger fromage, chômage, poupillage. Les nous sous route changement, n'a dormi sans problème, levé sans grand goût, n'a réussi vivre sans misère, misère et ça, circuler sans crainte, dans un pays sans gang, sans kidnapping, sans mafia, qui a pesé comme moun avec genou, même gens assassins, te pesé comme George Floyd, juste l'étouffer. Oui, pour Haïti, pas fin tout fait, faut gain vaccin conscience. Pour Haïti, pas fin tout fait, faut gain vaccin conscience. Pour Haïti, pas fin tout fait, faut gain vaccin conscience. Tout complice crime organisé ça, qui jodi a plongé 12 millions de monde dans la flamme du fait l'enfer, ça a mérité vaccin conscience. Tout pouvoir qui pague pouvoir pour être insécurité, mettre sécurité tout côté, mérité vaccin conscience. Tout le monde qui voulait traîner nous dans l'élection, sélection, avant d'établir bon gens sécurité, méritait vaccin conscience. Tout candidat qui avant l'élection met à genoux devant pour ensuite mettre genou au secours, mériter vaccin conscience. Tout gros gène bis, tête calée pour bis, capement de bis, sous route, sous tête autobis, Petro-Caribéa, mériter vaccin conscience. Tout gros gène bis, tête calée pour bis, capement de bis, sous tête autobis, Petro-Caribéa, mérité vaccin conscience pas coûté cher. Première dose, gratis t-shirt. Deuxième dose, gratis t-shirt. Troisième dose, gratis t-shirt. Pour enfin,
nous tous qu'à sourire, dans une belle Haïti chérie, qu'à faire même mon fou saisir. Que Haïti de la santé, je veux dire, à part que mon nom bêtise. Et nous montrer le niveau que les gens trivial, les primaires, et parce que au 21e siècle, les opposants politiques ont un certain défense, un certain de courtoisie, gentleman. Parce que M. était presque mouru, président, Jovenel te fait, tu es venu personnellement, il était capable de faire moyen, il était voyagé. Donc, ça montre au niveau primaire, et nous allons construire un lien sérieux avec type de monde. C'est ancienne mentalité politique, ancienne façon de voir, de faire barrière en politique, mais ça, il n'y a pas qu'à démocrate. Donc, on président mouri, un chef d'État mouri, d'ailleurs, même, on était victime pour l'État, on était pour sous, et 90, on parlait national. Les soldats étaient venus dans monsieur, les soldats ont pu rentrer carrément dans le tout, ou pour sous. Donc, vous devez vous protéger, les soldats témoignent, ils étaient prêts à faire pour monsieur, monsieur pour sous, lorsque carrément dans le tête. Et c'est grâce à Général Cédras qui fait sauver l'homme. Oui, ils se sont cacatrés. C'est pour vous. Ils se sont cacatrés, monsieur. C'est pour vous sourire. Et le coup d'État avec le septembre 91 ans. C'est celle d'un front caoutchouc dans la tête, monsieur, pour vous sourire. Et c'est Général Cédras qui vient de sauver, monsieur. Donc, quand il y a, on va raconter là, on manque de mourir à Koukouna. Nous avons fait un passeport diplomatique, fait coucou et branchant pour qu'on puisse faire visible. En gros, nous devons faire un promet en rien. Nous avons supposé évoluer. Nous avons quitté Bahia. Nous avons que l'article 37, 40, je ne sais pas si vous avez fait ça. Mais à l'âge, nous avons supposé et montrer qu'on mature, qu'on a une certaine maturité pour faire preuve de sagesse. Donc, nous, le même jeu, Matélio, Kappa, cela, Matélio, qui était qu'on a besoin de son chat, il quitte le pouvoir comme ancien président, au lieu qu'il ait un comportement qui dit, l'ancien président, il continue à faire mal, à faire visible, même chez tout, il était dans le même vieux bagage traditionnel, ancien, même si ça parle de bon discours, ça parle de même vieux causé, neurologie, ça n'a qu'une folie. Sur les grandeurs pour faire voir, pour montrer qu'il connaît, de voir et comme ça. Donc, c'est une maladie. Donc, pour la faire avec ce type de monde, le monde qui est gaulliste, c'est pas qu'il y aura tout ça. Et c'est Matéli, le PHK au Platon, que je dis à, il y a un catastrophe pour Aristide qui va passer, mon imbécile va faire visible ça. Parce que après, en 2004, Matéli était dans le GNB, toute classe politique, pour tout professeur, tout président était dans le GNB, il était pour le mouvement, il était changé de pays, il était pour mettre un nouveau contrat social. Après ça, il a fait des boumets pour contrat. Matéli même, il était supposé rester dans le 7 mois pour mandat fini. C'est le moment pour nous mettre tête ensemble, pour nous aider fini, et puis assurer que nous continuité de bail comme ça. Et le soit pas fait, Marie est posé dans le tria, monsieur et Aristide, par rapport à l'opportunité de boire une ferie, ça. Donc, nous avons entré dans une bonne bagaille. C'est des pratiques cannibalistes politiques, ça. Et en 2014, on a notre premier ministre, maintenant encore, on a peut-être calé qu'à faire manifestation contre lui, qui conseille maintenant avec tableau, ben il fait tableau. Finir sur manifestation pour déstabiliser le pouvoir. Je fais même barrel encore à déstabiliser. Je dis que c'est des mêmes, vieux stupidités qui mettent nous dans sa mouille là, qui font des temps pour Aristide, à venir faire des barrel, à venir faire des déclarations là. Mais ça, Aristide était le passé. Dans le passé, il fait l'université, il faut voir ce chacun des bigards des possibilités, il fait discours. Mais nous n'avons rien de substantiel dans le discours. Le discours qui traduit folie grande, monsieur, pour la rencontre d'ailleurs, l'idéologie, au même bataille,
pour montrer qu'il est commun. Par la réalité, par contre, qui fait deux ans trop encore. Et bien, encore pour la vie, par ce jour, dans la bêtise, on est qui sauve la vie, l'autre est prêt, l'autre est presque mourir. Donc, bon, je ne vais pas pour poursuivre, je vais le camper, il va pour poursuivre. Allez, on a avec eux, jusqu'à ce qu'il mourir. Et il va vite, il s'en est de courage. On est de courage, mais il pas signé bagaille, il pas signé démission. Allez, on est pour là, il démission. Je viens depuis tout le monde, il va faire le sien. Je viens pour le monde, c'est ça. Malgré les gens torturés, je vais aller sur la démission, je vais quitter le président colombien pour humilier, je ne sais pas, faire une opération, ce type de bazar. Donc c'est un homme courageux qui montre qu'il fait, il a une conviction. Il a été qu'on a parlé sérieux, parce qu'il peut nous parler nationalité de sécurité, même lorsqu'il était devant la mort. D'après le témoignage, tout qui s'est circulé, même devant la mort, il comportait un mec qui ferme. Il n'a pas signé de mission, il n'a pas pour son lit. Et on veut dire là, il campait ferme. Donc il tombait, plein de mecs qui tombaient. Che Guevara a tombé, il y a un bon mec qui gommait Sanka a tombé. Et on veut dire là, plein de mecs qui tombaient sur le champ de bataille. Mais ça m'a dit même, il est beaucoup de souli. Oui, lui pour nous sourire, pour nous jouer d'habit quand il a la vie de l'ancien, caca à toi. Si, le final est là, on va outiller le net, on va vous en faire un petit nom. Et oui, au même auditeur là, auditeur a demandé ça à la vie. Mes amis, il faut une petite récapitulation. Parce que, il y a des jeunes là, qui se peut-être couillé à commencer à faire politique. Le pas connaît qui est-ce que les Jean-Bert là ici. Jean-Bert là ici, c'est un père qui était dans l'église catholique, qui était les salésiens. Il s'est fait vœu de pauvreté. Il a indiqué son père qui était dans l'église, il s'est fait mentir qu'il n'a jamais fait comme dans la ville. Il ne s'est pas de dégoudin. En 1990, le Haïti pour le candidat à la présidence. Son madame qui est Gladys Lotio, qui met un caille sur nous, Jean-Bertrand Aristide, pour être enregistré comme candidat à la présidence. Même caille Aristide pas gagné parce que nous devons faire vœu de pauvreté. Quand on a parlé, on doit regarder. Mon journal américain, le journal américain, ça, c'est garder tout le monde qui m'a demandé combien de copes qu'il y a gagné. Ça veut dire que qu'on est politique, qu'on est artiste, qu'on est businessman, ou quel que soit deux mêmes qu'on y a, lorsque mon qui vient comme, il a regardé combien comme qu'on gagne. Ils ont mis gardé à tout ça. Haïti gagne 800 millions de dollars américains. On paie en 1990, qui n'a pas de bon goût bien maintenant. Il ne fait pas de bon goût en 1990. Ce gars disloti, Calpon Kaili, qui permet que M. Allen enregistré comme candidat. Même Kaili pas de gain. Donc en 1990, à aujourd'hui, à 2022, qui compte Aristide passé pour gagner 800 millions de dollars américains? Il y a eu, dans l'autre article, je volais 17 milliards de gouttes. Malheureux à malheureux pays d'Haïti, nous avons la quête coopérative qui sont d'être là avec tout monté. Et même ça qui parle de nous là, qui propose comme si nous avons un modèle pour étudiants, pour jeunes dans le pays. Nous se volons 17 milliards de gouttes, 200 millions haïtiens qui sont dans la diaspora et dans le pays, qui prennent un petit corps qui ont été serré, nous proposons là-bas 12 à 14% d'intérêt. Et puis, il volait 17 milliards de gouttes, malheureux à malheureux, qui n'ont pas diaspora. Haïti pillait l'État rapide, il pillait Téléco, il pillait toute institution l'État pendant le passé. C'est pour ça que je dis, je vais prendre Haïti gagner 800 millions de dollars américains. Même Paul Denis, qui est ministre de la Justice, je vous dis, comme si c'est bien abandonné, crasé dans le bouillon avec Haïti, tu ne sais pas parler de ça. Paul Denis font rapport, mais rapport à ma contrôle, là, la paraît sur l'écran. Ils font rapport, il y a deux rapports détaillés qui montrent comment Haïti pille l'État rapide.
Aïe, ma théorique, non? Depuis soit Internet là, ou Google, rapport sur la corruption de Jean-Bertrand Aristide, à tout copie fait lui, qui ont, nous c'était contrôlé l'État en équipe négri, qui était dans la valacaille. Donc, je veux dire, mais Jean-Bertrand Aristide, qui fait 22 000 soldats américains débarqués dans le pays, Jean-Bertrand Aristide qui crase l'armée, Jean-Bertrand Aristide qui crée Gagnon, Jean-Bertrand Aristide qui pille l'argent coopératif peuple, qui vole près de 800 millions de dollars américains. Mon coopératif, il dit ça à peu près 200 millions qui passent. Dada, c'est New York Times, c'est bon, c'est New York Times. Par exemple, il dit, mais c'est New York Times qui montre comment Aristide vole 200 millions de coopératifs peuple. C'est le siècle qui mette Gagnon. Et puis pour aujourd'hui, même ça qui t'a parlé de mourir, c'est pas même qu'à respirer. Jovenel fait passeport pour lui, Jovenel fait bali visa, Jovenel sauver la ville. Et puis c'est même les gars qui a venu dans ce jour aujourd'hui. Et c'est pour ça, oui, mafia judiciaire qui existe dans le pays, mes amis. Mafia judiciaire que oligarque contrôle, tout autant que. Tout autant que vous pas nettoyer mafia judiciaire ça, pays d'Haïti, pas pral aucun côté. Pays d'Haïti, pas pral aucun côté. Gardez photo ça, auditeur. Pensez, gardez photo ça bien, que photo ça va monter là. Qui est-ce qui crée John Joel Joseph comme chef de gang? Qui est-ce qui crée Billy comme chef de gang? Qui est-ce qui crée La Bannière comme chef de gang? Qui est-ce qui crée Ronald Kadav et Vinci Couto et chef la mécanique là comme chef de gang? C'est Jean-Bertrand Aristide. Gardez cette photo là, John Joel Joseph qui participe dans tous les présidents. Et vous-même dites que c'est la KMC que John Joel Joseph est caché dans un gros titan. Monsieur, mafia judiciaire, ça qui m'a parlé, nous, là, faut nous nettoyer mafia judiciaire. Parce que, mafia judiciaire, ça, c'est 3-4 nègres principales qui baillent l'homme. Alors, dit que, comprend CSPJ, comprend Bertho Dorsey, Drogue Dealer, qui ministre de la justice, comprend coup de cassation, avec Ezekiel Dabrezin, et Wendell Fock et Joseph Nixon, comprend coup d'appel avec CRS Paul, contre un tribunal de première instance avec Bernard Saint-Ville. Contre un coup de compte avec Rogazi Boadine et Robert Saint-Paul. Nexayo, c'est non même Nexayo, Oligak Pétionville, qui est au point l'ordre, et bien Oligak Sayo, ça a ici, avec Aristide qui a nagé, qui fait que la justice n'a pas fait travailler. Jean-Marie Vob, Dimitri Vob, Réginal Boulos, même pas ça Vob. C'est Nexayo qui a baillé juge dans le coup de cassation l'ordre, juge dans le coup d'appel l'ordre, juge dans le tribunal de première instance l'ordre, juge dans le coup de compte l'ordre. Donc tout autant nous pas nettoyer, mafia judiciaire ça. Aristide qui finit voler 200 millions coopératifs peuple, 800 millions en dans l'État, c'est normal qu'il a marché sur le monde, même Aristide qui crase l'université d'État. Est-ce que vous imaginez longtemps de paquet de petites malheureux à malheureux qu'entrer en dans faculté de médecine qui vient un docteur, ou un docteur, ne pas dépenser 3 000 dollars américains, non, puis vous êtes un docteur. Petite malheureux à malheureux dans le pays, monsieur crase faculté de médecine, tout avantage qui te gagne dans faculté de médecine, vous êtes dans l'université privée, l'université à Aristide. C'est monsieur crase faculté de médecine pays. Alors que la faculté de médecine, non seulement c'est petit malheureux à malheureux qui a monté l'échelle sociale là, pour un gros docteur dans le pays d'Haïti, mais vous avez tellement gros docteur, vous n'avez pas qu'un pays, l'autre côté dans le Caraïbe, c'est la Caraïbe qui a été conduite pour l'information. Haïti crase tout ça. Pour garder tête lui. Et après tout ça, quand M. Bouy coup d'État, quand M. Bouy obligé de démissionner en 2004, ou bien c'est M. Tara pris nos bagailles. M. Tara vient croiser ça au lait. La ligne, l'ouverture vienne et de sa ligne côté la France et pays. Tout ça qui est international pays. Elle dit que voilà un mec qui choisit dans notre tête université. Vous n'avez pas dit à tout à fait un discours en dans l'université pour dire problème de sécurité dans le pays. Nous reconnaissons des responsabilités là-dedans.
Nous te fait rêver en dedans pays là, dans craser l'armée, dans mettre gang, dans mettre l'armée sinon chef l'armée là. Je ne veux pas pour ça m'apprendre d'expérience ça, mais si j'ai pour nous rebâtir sécurité dans pays, elle va faire ça. Nous sommes vivants pour un virus là, côté Jovenel Moïse montre que nous sommes plus gros président de la Caraïbe, un changer le coronavirus là. Gagné près de 10 fois à 15 fois plus de monde qui mourit sans domaine qu'en Haïti en matière de coronavirus, qui contamine en matière de coronavirus. Et puis je ne veux dire, au lieu de se battre bravo pour Jean-Pierre Gagné le coronavirus là, et sortir la dedans, nous ne sommes pas dire un mot sur ça. Vous pensez que la vie chère, qui frappe la population, qui vit difficilement dans la vie chère, plus gaz monté. Hier, il mettait 45 gouttes sur Gaza, il mettait 189 gouttes. La vie chère, qui monte à cause de Gaza, et à cause de paquet de produits depuis Gaza monté, tout le bagage est monté. Les États-Unis, mais qui sont pour combattre l'inflation? Et vous avez dit parlé, mais pour nous retourner à l'ordre constitutionnel en 6 mois, pour garantir que nous votons la constitution en prochain référendum, nous venons voter parlementaire nous, pour nous faire une 51e législature, ou bien voter pour notre 59e président, nous faisons coup d'État à parler avec les gens et les trois mondes qui sont mis dans Washington. Tous les gens qui viennent voler leur banque centrale là, ils voulaient bon nous, comme la valace qui peut voler avec Haïti leur banque centrale là, c'est ça le besoin de nous. Je ne vais pas faire discours ça. Elle dit que les ou sont monde qui sont doyens ou sont recteurs dans l'université, ou doivent venir avec des éléments pour inspirer la jeunesse pour aller bâtir un pays. Et puis, au lieu de faire un discours pour bâtir un pays, pour venir un modèle pays, un modèle de compassion, un modèle d'avenir, un modèle de bonheur, un modèle d'amélioration de société en général, en tant que Non, et puis quand il y a des idées, il exploite au bitou, il finit avec la ferme, il exploite les jeunes garçons pour faire opération Bagdad. Qu'est-ce qu'on a fait? On y a là, avec ça, il garantit que une nouvelle génération qui vient là-bas, on est qui mieux. Donc, il y a une nouvelle ici à la Diba, il y a une bonne simon qui sera devant, peut-être qu'il va me connaître, qui va, si on dit 20 ans qu'on y a, il va connaître qui sera réussi. Comment est-ce que c'est pas pour qu'il y ait un beau feu là? On a demandé tout ça, donc à ici, ça vaut qu'un miracle, tout le monde qui est à ici. Si vous avez trouvé nos saillants à ici qui mettent nos saillants, nous avons écrasé l'armée, des structures, tout le bagaille. L'armée dominicaine, c'est lui-même qui a assassiné pour eux. L'armée dominicaine fait plusieurs coups d'État, mais pas de droit d'écraser l'armée dominicaine. Pas aucun pays en Amérique latine n'a écrasé l'armée parce qu'à cause du coup d'État, c'est l'on a ici. C'est l'on a ici qu'on a fait payer à tout le monde. On va être chaotique, car tout le monde est, on continue de faire des kidnappings, tout ça, mais ça, c'est le résultat politique.